Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et là, c'est vraiment, on parle aussi de la Réunion. On va parler avec notre invité. Bonsoir, Josette Séraphin. Oui, c'est cela. Alors, vous êtes donc auteur de ce deuxième ouvrage. Ah, il y a. Je suis. Séraphin Pipard. Pardon? Séraphin Pipard. Ah, il n'était pas marqué Pipard dessus, donc Voilà, donc Séraphin Pipard, d'accord. voilà, Séraphin Pipard, parce que bon, bah, c'est un livre qui est très empreint Alors, de la famille. avant qu'on parle de livre, je veux d'abord qu'on parle de Josette Séraphin Pipard. Qui elle est? Alors, Josette Séraphin Pipard est née dans les Hauts-de-Saint-Paul, hein, pour commencer, le quartier de Fleurimont, que j'affectionne beaucoup, et qui est devenue enseignante en lettres-histoire. Je suis mariée, mère de deux magnifiques enfants qui m'aident un petit peu dans cette entreprise d'écriture. Qu'est-ce qui amène j'allais dire, un professeur d'histoire à vouloir connaître son histoire? Son histoire, je pense que on a l'impression qu'on connaît, mais il faut quand même faire l'effort d'aller essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on a l'impression, on est parfois un peu trop sûr de soi et on se rend compte que pour certaines situations, il est nécessaire d'avoir quelques, on va dire, justificatifs, quelques récits d'historiens pour essayer de voir au mieux hein, et de mieux connaître. Et justement, quand vous dites professeur d'histoire, c'est ce que j'essaie d'amener à mes élèves et en général hein, à ceux qui sont intéressés. Essayer de nous réapproprier cette histoire. Alors, on va ouvrir votre livre donc à cette page-là, Oui. et on va voir nous de couleur, nous de valeur. Est-ce que on peut lire Ah, si vous ce voulez, passage-là? c'est Ouais, avec plaisir, hein, ça, parce merci que beaucoup. allez, en voyant un. Alors, nous de couleur, nous de valeur. Hier. Nous, tes esclaves noirs, tes samarons. Blanc la déracine à nous pour développer notre plantation. Après l'abolition, Zangazé l'arrivée, Malbar, Sinois, Exarabe l'a débarqué. Si nos petits cailloux, nos petites terres éloignées, toute nation, toute coulée à la mélanger, et l'a enfantée, une société bien métissée, où chaque communauté y vive costée dans le respect. Nous de couler à mélanger, les nous de valère, là pas besoin de drapeau pour y s'enlaire. Ou aller dit partout, nous les meilleurs. Ici, nous faisons les choses et cliquer. C'est ce cri du cœur, c'est quelque chose que on porte comme un, j'allais dire comme un drapeau, parce qu'on veut, que ces valeurs réunionnaises, que les gens le connaissent. Mais entre nous-mêmes, est-ce on vit vraiment ces valeurs-là? Alors, les valeurs sont là, mais il est bon parfois de les rappeler. D'accord. D'ailleurs, je veux dire que dans la famille réunionnaise, toutes les valeurs étaient bien ancrées, hein. Après, petit à petit, la modernité, tout ce qui arrive et qui nous détourne un petit peu du cocon familial, j'ai envie de dire, nous fait parfois nous éloigner. Et justement, que je dis, bon, on n'a pas besoin de drapeau pour y s'enlire, il faut le vivre sereinement. Il faut le vivre tous les jours. On est métissé, c'est très bien. C'est métissé parce que notre histoire est riche. Et cette histoire-là, il faut en être conscient, il faut, comment dire, l'entretenir aussi, quelque part. Donc les valeurs, il faut les entretenir. Il y a dans les valeurs, il y a la culture, et dans la culture, il y a le maloya, il y a le séga, et il y a la cuisine. Ah oui. Alors ici, quelle famille réunionnaise n'est pas contente quand il y a un Vitali pour manger un bon curry? Et puis quand on nous dit cuisine, ben, on parle justement de culture. Moi j'ai envie de dire, notre cuisine aussi est métissée. La culture, le métissage, eh bien ça se voit à travers la cuisine. Quand le Malbar est arrivé, donc tout le monde y connaît, hein, quand il dit Malbar, tout de suite Massalé, Kaloupilé. Le chinois, il est là, tout de suite qu'il dit chinois, bon, Sop Chui, Sotémine, Bouchon, Ricantonné. Ricantonné, voilà, décantonné.
Et aussi pour les Arabes. Les Arabes aussi, ils amènent les siennes avec ses épices, ses bonbons, surtout Kefelaïd, etc. Moi, je suis bien content que mon camarade des Arabes, il offre à moi ses bonbons. Et il y a la cuisine de l'Afrique, il y a L'Afrique. Madagascar. Et encore, mais on ne peut pas tout citer. Moi, je cite aussi dans ce livre les Mabawa, hein, comment rien, comment invite à un boulet, je suis contente. Donc, le Mabawa, il est là, il fait passer le temps avec la musique, c'est un super pique-nique. Donc ici, nous avons cette richesse-là et ce mélange-là, il faut que on continue à l'entretenir parce qu'ailleurs, notamment en métropole, on s'en éloigne avec malheureusement les problèmes qu'on connaît, hein, les confrontations entre communautés. Nous, on a la chance, on a tout ça et on arrive à vivre vraiment, comment dire, coster à côté, aller manger comme il dit chez notre camarade Malba, la fête au service, ou bien partager l'Aïd. Donc voilà, c'est ce livre envie, hein, veut donner l'envie d'entretenir tout ça. Carré mélangé, le meilleur manger. Ici, nous y aimons apprécier notre bon carré, surtout carré gros moment, qui rouvre l'appétit. Le gros moment, oui. La carré grand-mère, carré moment, ça reste le meilleur adresse de restaurant. C'est la meilleure adresse parce que quand on parle curry, il n'y a pas que le curry, il y a ce don. Parce que le mémé, le momo, il transmet en même temps qu'on y invite toutes les valeurs. Et il transmet à nous d'autres choses. Hein. C'est le pilier, comme il dit ici, Zaboutan, Léla. C'est l'amour, en fait, c'est un tout. C'est pas que le manger pour se rassasier, c'est aussi le manger pour, comment dire, nous faire vivre et nous faire grandir intellectuellement, comment dire, sur tous les plans. Et à quel moment, justement, il faudrait que nous les conscients que ça fait partie vraiment de notre patrimoine, de notre culture. Parce que parfois, on a l'impression que on porte ça comme un étendard, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Si, il y a de la valeur, sauf que est-ce qu'on sait encore le porter? Parce qu'on porte beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. On a nos valeurs, on a notre culture, mais à côté, à grands pas, il y a les cultures du monde qui arrivent. On parle d'uniformisation, hein, de la culture, parce que bon, c'est l'américanisation. L'Amérique est là, le Coca-Cola, le burger et compagnie. Donc, on a tellement d'influences autres que parfois, on a l'impression que ce qui est là, peut-être on se sent un peu blasé. On s'en éloigne malheureusement parce que bon, parfois on voit que le pré est plus vert ailleurs. On perd notre cellule familiale, on perd ce lien qu'on avait avant. On a évolué, il faut aussi accepter ça, hein. Il y a pas, c'est pas seulement une évolution des valeurs, c'est aussi une évolution du cadre. Avant, il y avait la maison du papa et puis autour, les enfants Tout à fait. construisaient. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire, on avait la maison à terre. Maintenant, on a la maison en l'air, on est dans l'immeuble. L'immeuble, parfois, est loin de la cellule familiale, donc les liens sont distendus. On n'a plus, là, comme vous dites avant, en fait, on n'était pas élevé que par ses parents. Il y avait certes la mémé, mais on était éduqué par tous les tatis, tontons qui étaient autour. Et même s'il n'était pas tonton, tati, on nous disait, dis tonton, par respect. Donc, finalement, c'était une famille très élargie Et dans le la. voisin, on l'appelait cousin ou Oui, cousin cousine est tel, voilà. Dis cri-cousine, voilà. tantine. Dis tantine, allez voir tantine. Et finalement, c'était, comment dire, une communauté, hein, on a envie de dire, une communauté avec ses liens, ses connexions. Et c'est ça qui tenait, c'était la force, parce que tout le monde était ensemble. Maintenant, comme je dis, ben, maison en l'air, quelqu'un y habite maintenant Sainte-Suzanne ou y habite le Tampon. On se voit une fois l'an, et quand c'est possible, etc. Ça devient difficile. Et c'est à nous, hein, vous, votre plateau, les enseignants en général, ou comment dire, ceux qu'on rencontre, hein, parce qu'il y a des familles qui rencontrent des amis, c'est une richesse aussi. Donc, le rôle des adultes, des enseignants ou des médias comme vous, ben, c'est justement d'en parler. Et c'est peut-être comme ça qu'on va me réveiller un petit peu les consciences, ou faire revenir à ce qui est là, proche de nous, et qu'on ne voit plus. Comment Josette Séraphin Pipard apprend à ses enfants l'histoire de la Réunion, les traditions, la culture? Comment elle transmet ce savoir
de la Réunion, de l'histoire de la Réunion? Alors déjà, vous avez parlé de mes enfants. Alors mes enfants, le papa est oreille, moi je suis créole, donc on a déjà ce métissage-là. Mais on arrive à avoir cet équilibre et ce respect entre les deux. Déjà, il y a ça, il y a le respect pour transmettre. Mais là, dans ce livre, quand je dis raconte à moi, je dis bien là qu'il faut que les adultes transmettent. Parce que justement, j'ai fait un livre. Bon, on va regarder. Bon, les couleurs sont attirantes. Il y a les peintures. J'ai mis un QR code également. Mais je dis bien raconte à moi. Donc, il faut qu'un adulte soit là. Parce que parfois, quand on parle du créole, qu'on veut transmettre ce créole-là, ses valeurs, ses histoires, eh bien, il faut qu'un adulte soit là pour essayer de faire comprendre certaines expressions. Par exemple, si je prends une expression, on dit, ah, on la tombe dans la colle Jacques. Alors, la colle Jacques, le temps que le maman répercute, c'est quoi le Jacques? Ah, oui, c'est le gros fruit là-bas. Alors, quand tu coupes, c'est comment? C'est collant. Ok, ben, tu tombes dans la colle Jacques, tu es tombé dans le malaisé, tu es tombé dans quelque chose qui est bien difficile. Donc, on parlait beaucoup par métaphore. Hein. Donc, il faut que l'adulte soit là. Donc, c'est à lui, c'est à l'adulte de transmettre toute cette façon de parler qui était très imagée et en même temps, les souvenirs, parce que ça vient avec les souvenirs, bon, ben, c'est l'adulte qui les a. Voilà. Et avant, on avait l'occasion d'être assis autour du grand-père, de la grand-mère, du papa, de la maman, et de raconter, d'entendre des histoires. Au côté de fées, par exemple, Par exemple, ou bien le oui, dimanche après-midi, sous pied Jacques, pied sous pied Jacques, ou Mangue, alors il prend la vanne, il met un bracelet litchi dedans, un grappe litchi ah dedans, oui, ou le gâteau patate, gâteau patate. voilà. Ou alors quand ils mettent manger sur la table dans ta figue, Ah, ben ça, c'était le bonheur, ça, voilà. ouais. Mais il avait le temps pour causer, pour raconter. Oui. Il avait l'occasion justement d'être ensemble. Et là, où les parties, Mikupaou, où les Ouais. parties, chez Pépé, chez Mémé. Ouais. Alors maintenant, j'ai envie de dire, comment ça se fait que Mémé et Pépé se retrouvent à l'EHPAD, hein? Donc là, c'est quelque chose qui blesse et qui fait mal. Parce que, ben, justement, si on met Pépé et Mémé à l'EHPAD, comment il y a quelque chose qui est coupé? Il n'y a plus ce lien, cette connexion entre les différentes générations. Déjà, Pépé et Mémé étaient déjà loin de la maison. Ben maintenant, si Pépé et Mémé à l'EHPAD, c'est encore plus loin. Donc, on s'éloigne de ces souvenirs. Alors justement, comment mettre en place un mécanisme de transmission de ces valeurs culturelles, de ces valeurs patrimoniales, pour qu'on puisse transmettre aux différentes générations la culture, les valeurs. Ben là, on a dit comment transmettre. Mais je pense que maintenant, on a des efforts quand même, les faits. Malheureusement, bon, ben, je prends un exemple. On va attendre le 20 décembre pour parler d'esclavage. Bon, c'est un peu loin le 20 décembre. Ou bien on va attendre la semaine créole pour inviter les auteurs, comme je le fais souvent, à parler du créole en créole. Mais il faut pas attendre qu'il y ait des manifestations. C'est bien, hein? Il faut pas quand même dire que c'est pas bien. C'est bien qu'il y ait ces manifestations-là pour nous rappeler, mais en même temps, il faut trouver peut-être d'autres façons. Peut-être là, je ne les ai pas, je ne sais pas comment faire. Hein. Trouver d'autres façons pour que ce soit un petit peu plus, on soit un petit peu plus à l'aise avec le créole et avec tout ce patrimoine qu'on a, de patrimoine de tous les jours. Parce que quand on dit patrimoine, parfois on parle le patrimoine. Ah, le patrimoine de l'UNESCO. Oui, ça c'est ce qu'on voit, c'est grandiose, c'est grand. Mais tout ce petit patrimoine, tout ce qui fait notre culture de tous les jours, il faut peut-être l'entretenir. Ben, je pense que les familles ont quelque chose à faire là. Et c'est là justement comment nous, Réunionnais, quelle que soit la génération, bien sûr, là je parle des adultes, comment on fait pour d'abord acquérir, parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui ne connaissent pas leur histoire, les valeurs, Oui, la oui. dimension. Alors bon, ben, ma petite personne et mes, comment dire, mon essai de livre, quand je dis déjà raconte à moi, donc je suis en tant qu'adulte, j'écris derrière livre de 7 à 77 ans monté. Alors de 7 à 77 ans monté, il faut que parfois aussi que l'adulte, parce que l'adulte parfois, il est sûr de connaître, il est sûr, parce que c'est autour de lui. Mais bon, il faut quand même, parfois, quand on tombe sur un ouvrage de quelqu'un, ou bien
une émission à la télé, ben, il faut que l'adulte aussi, il prête l'oreille, mais une oreille active, parce que parfois on écoute sans entendre aussi. Donc il faut que l'oreille soit active et que justement ce soit un moment pour dire, ah ben tu sais ce qu'on montre là, et là transmettre à l'enfant. Ça, nous t'es vivre ça comme ça avant. Avant, ben, nous t'es dormons pas chacun dans la même chambre, par exemple. Tout le monde était un peu maille-maillé dans la même chambre, un lit pour deux, pour trois, ça dépendait des conditions. Donc il faut, moi je dis toujours, tout va doit venir de la famille. De la famille et puis ben, des aînés. Si mémé n'est pas là, mais je sais pas, moi, à côté. Non, mais il faut, c'est-à-dire aussi qu'il faut se reconnecter à la famille. Il faut que la famille se reconnecte et que des liens soient maintenus on remet en place des liens qui se sont distendus Oui, ou mais qui comment ont été faire? rompus. Voilà, Comment c'est. faire? Alors, Hein. la question est là. Comment faire? Parce que quand la famille est éclatée, parfois la famille est monoparentale, donc comme je dis, ma mémé, pépé sont à l'EHPAD, ça devient problématique. Donc là, c'est dur. Hein, on est dans une situation où maintenant, c'est un petit peu plus l'individualisme, malheureusement. Donc, bon, comment faire? Comment faire? Justement, Oui. comment faire? Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, là, je suis à la page 55, Tango Timiso. Oui. Comment une maman parle à ses enfants aujourd'hui du tang? Ah bon, ben, le tang, moi c'est simple, hein, à la maison, ben, on a un jardin. Mamie aime bien aller, mamie aime passer mon temps dans mon jardin. Et il n'est pas rare que moi, le moment tang avec le 3-4 titres d'affilée ou le l'endormi. Hein. Donc ça, c'est un patrimoine, ça. Ouais. Tout ça, il faut, comme midi, il faut peut-être regarder vraiment, parce qu'on regarde comme midi de manière assez blasée. Ah oui, l'endormi, ça, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être regarder un petit peu mieux que ça? Regarde un petit peu plus, essayer de voir un petit peu pourquoi c'est l'endormi là, les verts, pourquoi l'autre là-bas, les marrons, et puis comment l'endormi y évolue, comment il vit, comment il mange, etc. Alors pareil, ben, dans le livre, bon, m'y revient mon livre, bon, parce que c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, et ben dans ce livre-là, m'y attire l'attention sur notre patrimoine naturel. Le papang, le l'endormi, le timiso, tango, le payanqué aussi. Et comme il attire l'attention sur le chien roquet aussi, parce que est là, que nous ne voit plus, et que l'un patrimoine exceptionnel. Donc voilà. Alors, il faut regarder, il faut s'intéresser à la nature. Finalement, c'est ça, c'est autour de nous. On nous dit qu'il faut protéger, mais protéger, de regardons et intéressons-nous d'abord. Aujourd'hui, ce que Josette Séraphin Pipard, c'est pas seulement un livre qu'elle a écrit, mais essayer de revoir Oui, celui-là. de regarder ce qu'on est, de regarder ce qu'on vit, et de ne pas faire comme si on est blasé, mais Oui. de toujours honorer ce qu'on a et ce Bien qu'on est. sûr. Ben ça, c'est. Mais pense qu'il faut que nous ayons une certaine humilité aussi. Hein. Ce que les autour de nous, nous avons l'impression n'est pas important, c'est important. C'est, ça fait partie de notre quotidien, de notre histoire, de notre mémoire, comme il dit. Le bread, là, il est là tous les jours, ben, c'est ce que nous mangeons. Nous aimons ça. Avant, c'était le carré la misère. Maintenant, le bread, c'est devenu exceptionnel. Et c'est Mais cher. c'est très cher. Et compte plus si le cyclone l'a passé. Donc, vous voyez bien, tout ça allait autour de nous. Et à travers mes deux livres, Petit chemin, grand chemin, On que va tout le monde rappeler connaît, voilà. le. Donnez-moi Voilà. le. Passez-moi, je vais le montrer. Donc, Ça petit qu'on chemin, connaît grand chemin. déjà. Ça, c'est donc un recueil de poésie. Poésie aussi. D'accord? Pareil pour celui-là, ce Ouais. recueil de poésie. Le premier, là-dedans, ben, m'y montre l'évolution hein, de notre société. Et à travers ça, ben, avec humour, parce que j'aime bien l'anecdote, pour transmettre des choses, parfois l'humour, il est très bien. C'est ça qu'on retient. Donc, à travers quelques anecdotes, eh bien, m'y essaye raconter avant comment on était vive. Par exemple, à Miroubla, allons guette télé la case Madame Intel. Avant, on regardait télé la case Madame Intel, avec les petits soucis et les joies que ça nous avait. Parce que là, pas que les joies. Hein. Ou bien, allons battre carré Cap Laoucé. Là, s'il n'y avait pas le 404, on ne pouvait pas y aller. Donc ça, c'est l'évolution de notre société et surtout, comment dire, beaucoup de souvenirs sur la façon de vivre dans les quartiers longtemps. Et Comment? celui-là, excusez-moi, ben, ça c'est pareil, hein, mais là-dessus, ils mettent plus l'accent sur c'est quoi ton patrimoine, c'est quoi ta culture.
D'accord. Voilà. Donc, matériel, immatériel, naturel, ou autre. Tout est culture autour de nous. Tout est culture, tout est surtout de notre héritage. C'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Et la question, c'est comment nous allons continuer à valoriser Eh oui. ce patrimoine et comment et dans quel état nous allons le transmettre. Tout à fait. Mais il faut le faire sereinement, parce que, et surtout, il faut dire que c'est une richesse et ça nous appartient. Il ne faut pas en avoir honte. Dehors, comme je dis, le pré n'est pas plus vert. Hein? Ce qu'on a est exceptionnel. Ben, si Nathan Moon il vient en vacances chez nous et veut résider chez nous, ça veut dire que c'est beau et que c'est exceptionnel. Oui, Sinon, on ne viendrait pas. c'est pour ça aussi qu'il faut protéger ce Tout patrimoine-là, à fait. parce qu'on risque de le perdre avec Tout à fait. cette affluence. Donc, bien protéger, mettre en avant ce que nous avons, ce que nous avons Bien eu, sûr, ce oui. que nous avons et ce que nous devons garder, protéger pour transmettre. Excellent. Ben, c'est le message, vous l'avez dit, c'est là-dedans. C'est le Merci. message qu'on voulait faire passer. Merci donc C'est à moi qui vous Josette remercie. Séraphin. Pipard, donc je rappelle son nouvel ouvrage, Raconte-moi histoire, mon pays. Avec des QR codes pour que ce soit plus simple. Et je crois qu'on a besoin de connaître l'histoire de notre pays. Merci, C'est moi. Josette Séraphin Pipard. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt. Merci.